Pilar Soret La Fraya. Mrs. Soret has a BA in Geography of the University of Salamanca and a Certificate of Research Proficiency. I don't know what it is, really. No? C'est pas important. Je suis certaine que c'est très important. And she also has a doctoral program at the Universidad Complutense de Madrid. Je vraiment là, même j'ai droit à l'espagnol ce matin. Alors, since 2007, she's a commercial director and product development manager at Via Libre, the ONCE Foundation company specialized in accessibility with numerous projects in accessible tourism. She's a member of CURMIS, Commission on Leisure. She's a member of the Monitoring Committee for the Convention CERMI, Ministry of Tourism, member of the Working Group of the Convention OMT 11 Accessible Tourism Foundation, and a participant in several working groups organized by AENOR. C'est à vous la parole, Madame Soret. Merci. Bon, merci beaucoup pour la présentation. Je vais la faire en français, même si la présentation écrite est en anglais. J'espère que tout le monde va me comprendre. Je vais bien m'exprimer. Bon, c'est un plaisir. Merci beaucoup. L'organisation de me permettre d'être ici. Moi, ça fait maintenant à peu près 15 ans que je travaille dans le tourisme accessible. Et j'allais dire qu'une des premières références, quand je commençais à chercher ce qu'il y avait dans le monde, et une des plus importantes, c'était Kerul, mais ce n'était pas seulement une des plus importantes. Moi, je crois que c'était une des celles que j'ai trouvées à l'époque. Donc, c'est très bien pour moi, c'est un plaisir. J'ai eu la chance moi-même de travailler dans ces projets et tout ce qui est tourisme accessible en Espagne, et dans le cadre de la Fondation ONCE. Et cela m'a permis de travailler dans beaucoup de projets et dans beaucoup de différents volets dans ce qui est le tourisme accessible. Vous allez me permettre juste un petit peu une présentation de ce qui est la ONCE et la Fondation ONCE, parce que c'est très important pour après comprendre tout ce qui est le partenariat en Espagne. Chaque pays, chaque destination, chaque région a une manière de fonctionner, à ses propres manières, à ses propres guides, disons. Et en Espagne, pour l'accessibilité, c'est très important de comprendre et qu'est-ce qu'il se passe avec les organisations de personnes handicapées. L'Organisation nationale des aveugles d'Espagne s'est née en 1938. C'est une petite organisation de personnes aveugles qui voulaient sortir de la maison, qui voulaient être indépendants, qui voulaient avoir des ressources et qui ont réussi à avoir des gouvernements de l'Espagne une permission, disons, pour vendre la loterie. Avec la seule condition, bien sûr, que les revenus soient utilisés en bénéfice des personnes aveugles. Et 50 ans après, 1988, la ONCE, l'Organisation nationale des aveugles, a créé la Fondation ONCE, là où ils sont toutes les plus grande organisation des personnes handicapées de l'Espagne, de toutes les différentes personnes sourdes, de personnes handicapées physiques, mentaux, etc., sauf les aveugles, parce qu'ils avaient déjà la propre, avec un objectif que c'est d'améliorer la vie des personnes handicapées et deux lignes de travail. Une, améliorer l'accessibilité dans absolument partout dans la société espagnole, et l'autre, travailler pour que les personnes handicapées peuvent travailler et peuvent s'intégrer dans le travail. Et pourtant. Et alors, c'était nécessaire aussi tout ce qui est les études. Et quels sont les revenus de la Fondation ONCE? C'est parce que ce sont des revenus importants, sinon comment on va faire le travail si on n'en a pas? C'est une partie de cet revenu qui vient de la vente de la loterie. Si on pense à... Oh, pardon, je suis... Voilà.
Si on pense au partenariat, d'abord on pense en général public et privé, dans tout ce qui est accessibilité et tourisme accessible. Il ne faut pas du tout oublier, on les voit parfaitement dans les congrès, on les voit partout, dans tout ce qui est les associations non gouvernementales, les associations de personnes handicapées. Si on pense quels sont les rôles, disons, de l'administration publique, des secteurs privés, des ONG, quand on travaille pour le tourisme accessible, à peu près on peut dire quels sont les rôles, la stratégie, c'est l'administration publique, c'est les faciliter au privé, et des incentives pour que ça marche bien, les lois, etc. Et le secteur privé doit contribuer économiquement et aussi, et avoir les supports experts, et les mettre dans les marchés. Et les personnes handicapées, les organisations des personnes handicapées, la formation, l'expertise et tout ce qui est la divulgation. Mais ce n'est pas toujours ces règles qu'on fait. Comment on a fait en Espagne, quel est le modèle? La Fondation ONCE a beaucoup poussé vraiment pour que le tourisme accessible et l'accessibilité en général soit une réalité. Il a toujours cherché des partenariats et dans chaque cas, il y en a beaucoup d'exemples, il a fait d'une manière. Je voulais vous raconter 3 ou 4 ce matin. Très important, commencer pour faire les villes, la destination, les villes, pas seulement les villes, aussi les plages, les zones de montagne, etc., et qui deviennent les plus accessibles possibles. Et en Espagne, ce n'est pas obligatoire d'avoir un plan d'accessibilité, c'est obligatoire que les villes soient accessibles, mais il n'y a pas comme tel ce plan. Ça n'existait même pas, et ça fait 25 années, qu'est-ce que c'était cette figure. On l'a pensé, et avec de l'argent de l'Union européenne, avec l'argent du ministère des Affaires sociales et avec l'argent de la Fondation ONCE, depuis 1990 jusqu'en 2011, on a eu des aides économiques pour que les différents municipes et aussi les universités peuvent travailler pour rendre accessible leur vie. D'abord, ils devaient faire un plan d'accessibilité et après, avec les principales lignes de travail, ils devaient, les années suivantes, ils pouvaient demander encore des aides économiques pour améliorer l'accessibilité. Et 2011, c'est fini. Déjà, l'argent qui vient de l'Europe, c'était déjà fini depuis quelques années. Et 2011, le ministère des Affaires sociales, il a dit on ne peut plus continuer avec ce programme, le budget, ça ne va pas. Mais de 1990 à 2011, on a investi plutôt 220 millions d'euros en Espagne dans ce programme. Et quelque chose de très important aussi, c'est qu'il y a 800 municipes qui ont profité de ça et que tous les techniciens responsables de la accessibilité dans ces villes ont une formation spécifique en ce qui est l'accessibilité pour que ça continue. Dans le même partenariat, disons, mais aussi dans ce cas, en intégrant les villes, on a travaillé pour qu'il aille plus de taxis adaptés dans les villes en Espagne. Et chez nous, c'est obligatoire que 5%, minimum 5% des taxis des villes soient adaptés. Il faut dire qu'on n'arrive pas toujours. Il y a des villes qui n'arrivent pas, il y a d'autres qui en ont en plus. Et ça, c'est quelque chose qui préoccupe assez, parce que s'il n'y a pas de transport accessible, ça va être très difficile, le tourisme, et pas seulement le tourisme. Dans ces années, 1476 taxis ont été mis sur les rues de l'Espagne, avec des aides économiques aussi des ministères des Affaires sociales, aussi des fondations ONCE, et avec des aides des villes, et pas tellement économique, mais plutôt administrative, bureaucratique, pardon, et d'autres. Important aussi une autre manière de travailler avec des autres associations de personnes handicapées, puisqu'ils font partie de la Fondation ONCE. Et ils sont ici, prédits, ils ont participé dans des tables, hier j'en ai participé dans une avec.
Et c'est une des associations qui travaille, ou plutôt l'association qui travaille la plus forte en Espagne, en concret pour le tourisme accessible. Depuis une quinzaine d'années, ils travaillent avec ça, et c'est très important. Tout le travail qu'ils font un peu comme un kérou, de voir l'accessibilité des établissements et de faire des guides. Ces guides, on fait avec l'aide économique d'une fondation privée, Vodafone, de téléphone mobile, et Fondation ONCE, qui paye le travail des prédifs et qui font aussi l'aide du point de vue des techniciens, notamment tout ce qui est nouvelles technologies. Très important, je voulais vous raconter ici, parce que c'est un peu différent. C'est la célébration de la biennale de l'art contemporain et tout ce qui est handicap. Et après tout ce temps qu'on continue de travailler tout ce qui est le travail, Fondation ONCE a trouvé qu'il fallait aussi travailler dans d'autres volets. Et la culture, notamment, c'est très important. Donc, depuis maintenant, ça fait 6 ans, je crois. Et oui, c'est la 5e édition cette année. On célèbre. Pardon. On célèbre une biennale des arts contemporaines avec deux objectifs. D'abord, disséminer, de divulguer les artistes handicapés, mais aussi faire attention dans le monde de la culture et tout ce qui est l'handicap. Pas seulement les artistes, mais tout ce qui est aussi l'handicap comme manière de vraiment que ne soit pas seulement, qu'on ne parle pas seulement de l'handicap quand on parle de l'handicap, mais partout. Et pour ça, on travaille avec des municipalités. Cette année, on l'a fait toutes les années à Madrid. Et après, cette exposition voyage par des différentes villes de l'Espagne. On travaille avec pas mal de fondations privées, notamment des banques, qui sont d'accord il croit que c'est une bonne inversion. Et à part l'exposition, ça c'est quelques tableaux de cette année, quelques photos aussi. Ça c'est une photographe très connue en Espagne qui a perdu presque complètement la vie. Ça c'est des sculptures. Je disais, à part tout ce qui est l'exposition, il y a pendant plusieurs mois, il y a le cinéma, il y a le théâtre, il y a la formation. Toujours avec la ligne de l'handicap et l'art. Il y a d'autres, il y en a beaucoup, comme je vous disais. Ça, c'est aussi la collaboration avec une autre fondation privée. Celle-ci, la fondation d'une des entreprises de construction les plus importantes en Espagne, ACS. On travaille notamment la formation. On travaille ensemble pour la formation et pour la sensibilisation. On a fait un manuel pour les techniciens municipaux dont j'ai parlé tout à l'heure. On l'a fait ensemble et on fait des cours, des séminaires partout en Espagne pour les donner à connaître. Et finalement, l'autre jour, l'inauguration, Marina Diotalevi faisait la référence. On travaille, la Fondation ONCE d'Alenat, et le vice-président, je crois, Jesús Hernández, qui devait venir. Il est le vice-président de l'ENAT, on est de début. Et on travaille aussi avec l'Organisation mondiale du tourisme. Et on a un accord, et on travaille notamment pour tout ce qui est diffusion et aussi l'aspect technique. On a collaboré pour rédiger les codes dits de tourisme. On est en train de finir, c'est déjà fini, on va la présenter à Saint-Marino le prochain mois, un manuel de tourisme accessible, et on fait pas mal de séminaires et de congrès, notamment dans le cadre de par exemple, Saint-Marino le mois prochain, mais notamment dans le cadre des événements touristiques, de les foires à Madrid, le mois janvier, il y a une foire très importante qui est la FITUR. Et seulement pour finir, un peu comme conclusion, je crois qu'il y a tellement des actions que les conclusions, les bénéfices, je crois que sont beaucoup. Mais je voulais apporter ici la réponse qu'a donnée Jesús Hernández, qui est le directeur général de l'accessibilité universelle de la Fondation ONCE, et que, comme je disais, c'était lui qui devait venir et qu'il n'a pas pu
je l'excuse. Finalement, peut-être comme conclusion, c'est que la chose la plus importante de collaborer, c'est qu'on travaille tous ensemble vraiment pour faire une société un petit peu mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sorey. Je remarque particulièrement chez vous le nombre de partenaires avec lesquels vous travaillez. Oui. Alors, l'intervention, je remarque qu'elle est comme elle se retrouve comme dans d'autres destinations, mais c'est que vous avez vraiment une brochette de partenaires avec lesquels vous travaillez. C'est intéressant. Et la présence, justement, que je remarque aussi du partenariat privé dans la téléphonie, c'est un ajout important, j'imagine. Ça dynamise aussi les partenariats. C'est excellent. Alors, merci beaucoup. My name is Sylvana Lakis from Lebanon. It's really all of wonderful content you've been telling us, but I have one question about the norms and the standards. Are they put into conditions when a company, a touristic company, is about to open? I mean, is there a way of monitoring and of ensuring that these norms are part of the book when certifying an organization? And in Spain, when you talk about 5% of public transportation in general should be accessible, how do you know that the 5% is there? I mean, what type of monitoring do you have? Sorry, one last point. And these norms, are they being taught in any of the universities who teaches hotel management or tourism? Or because we need to think about sustainability. So again, such a huge initiatives and work should live, yani, forever. So I think We need to ensure that universities are also doing this as an obligation for students. Oui. Et peut-être que je me suis pas bien expliqué. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en Espagne, c'est obligatoire que de tous les taxis qu'il y a dans chaque ville, 5% des taxis doivent être taxis adaptés. Et on ne monitorise pas les personnes qui voyagent. Ce qu'on monitorise, c'est ce qu'on sait, c'est si vraiment il y a un accomplissement de la loi ou pas. Cette année, on a fait une étude, parce que vraiment, c'est quelque chose qui préoccupe. Dans les moments où il n'y a pas de subventions économiques, les taxistes ont décidé de ne pas adapter leur véhicule. Ils disent pourquoi moi et pas l'autre, parce que c'est plus cher. Et maintenant, ça change un petit peu parce que disons que c'est vraiment des taxis pour tous. Mais au début, c'est « Ah non, un taxi pour les gens en chaise roulante, moi je ne vais pas. » C'est ça qu'ils nous disent. Hein. « Je ne vais pas monter dans ces taxis. » Et ils disent que c'était un problème. Mais c'est ça qu'on sait, qu'il n'y a pas, que pas dans toutes les villes, il y a les 5% obligatoires par la loi. C'est pour ça que maintenant, on travaille l'organisation de qui regroupe toutes les associations de personnes handicapées en Espagne, qui s'appelle CERMI, c'est une des questions que c'était de ma présentation, CERMI, qui travaille avec la Fondation 11 et qui veut faire lobby vraiment pour que ça soit vraiment, comme vous dites ici, il y a la loi, mais qui c'est qui contrôle après, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe. Donc, on travaille maintenant sur ça. Je peux répondre à cette question. C'est sûr qu'on ne vit pas dans un monde parfait, donc oui, peut-être encore, il y a encore des entreprises qui rouvrent, qui sont sur le marché et qui sont nouvelles et qui n'offriront pas un service accessible à tous en Ontario. Par contre, avec tout le mouvement d'accessibilité qu'on voit en Ontario, il devient de plus en plus difficile de ne pas être accessible. La demande, elle est là, mais aussi le citoyen le demande, qu'il vive avec ou sans une limitation. Et puis,
Donc, et puis, il reste que quand on fait son plan de nouvelle entreprise, on doit embaucher des gens. Bien, il y a une norme à suivre. Si c'est un service, un nouveau service de taxi, impossible. Il y a une norme à suivre. Donc, il y a des failles, il y a des petites entreprises de coin qui vont ouvrir, puis que peut-être ils respecteront pas, mais encore là, il est difficile. Parce qu'un employé plus, tu es touché par la norme. Donc, et puis, pour faire suite avec, vous parlez de formation. Dans le cadre de cette loi-là, il est aussi essentiel de former ses bénévoles et ses employés sur la loi et sur le service à la clientèle. Donc, déjà, on est dans... Je continue à dire le mouvement, mais je le sens comme une vague. On sent qu'il y a un mouvement, il y a un grand changement qui se fait dans notre province. Et cette formation-là, elle est aussi disponible. Ce n'est pas les universités ou les collèges qui ont développé des programmes de formation spécifiques sur le service à clientèle, etc. Mais il y a tellement, à cause des partenariats, des groupes, des collectivités qui en ont développé, que ça permet à ces groupes-là d'aller dans les institutions, former les jeunes. Moi, je vais beaucoup dans les institutions francophones, former sur le service à clientèle, l'importance, comment on interagit. Donc, on a comme ça vraiment semé cet intérêt et il devient de plus en plus inacceptable de ne pas être accessible. Je donne un portrait qui est assez beau. Il reste qu'il y a encore énormément de travail à faire en Ontario pour dire qu'on est une province accessible. Oui, on trouve encore au niveau du transport, au niveau du tourisme, on a encore une pénurie. On n'a pas suffisamment de chambres, on a encore des problèmes au niveau du transport. Et c'est une chaîne, on est tranquillement en train d'atteindre un objectif. L'Ontario veut être accessible d'ici 2025, c'est proche de 2025. Il reste qu'on va avoir fait un grand pas d'ici 2025. Donc, Répondre à la question par rapport au Québec, au niveau des normes, bien sûr, Kiro n'est pas, c'est pas nous qui faisons ça, c'est pas nous qui formons les gens. Par contre, dans les universités, quand les architectes et autres, bien sûr, ça fait partie du code du bâtiment d'avoir une section sur l'accessibilité. Par contre, chez Kéroul, on forme. On a notre formation Service Complice ou Welcoming Ways. Et cette formation-là est donnée dans les écoles. Donc, on la donne autant dans l'industrie, des gens qui travaillent déjà dans l'industrie, dans les musées, dans les hôtels, les transports, etc., mais aussi chez les étudiants. Et c'est beaucoup apprécié. Les gens qu'on voit dans l'industrie qui suivent notre formation nous disent « Ah, oh, mais j'aurais tellement aimé ça, avoir ça il y a 15-20 ans, quand j'ai suivi mon cours au cégep, à l'université, peu importe. » Donc, oui, on va dans les écoles, autant au niveau du tourisme, tout ce qui peut être entouré le tourisme aussi. Donc, on a même des volets qui sont spécifiques pour les agents de voyage, pour les gens qui travaillent dans les aéroports, dans les restaurants. Donc, on a un cours de base qui est bon pour tout le monde sur l'accueil des personnes handicapées et on l'adapte en fonction des différents besoins, des différentes sphères de travail là, qui peuvent être rattachées au tourisme.